Mathieu Vouillamot, malheureusement une défaite 3-2 ce soir contre la Chaux-de-Fonds. On a vu un match avec beaucoup de rythme, vous avez tenté très fort les 7 premières minutes. Est-ce que c'était une consigne de Dany Gélinas? Oui, bon, après Dany, ce qu'il nous dit, on doit le faire exécuter à 60 minutes. Là, on a bien joué les 7 premières minutes, comme tu as dit, et on a relâché un peu, mais on a quand même eu des occasions pendant tout le match. C'était assez serré, c'était un beau match et c'était très intense. Pour toi, c'était un peu un match spécial parce que du côté de la Chaux-de-Fonds, il y avait Stéphane Patry et Sandy Smantz. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre des joueurs qui sont habituellement tes coéquipiers? Bah, écoute, c'est la première fois que je vivais ça, puis c'était plutôt marrant de voir d'autres coéquipiers sous un autre maillot. Et non, on a parlé avant le match et puis j'ai dit que j'allais le défoncer, mais sinon, voilà, c'était sympa à jouer contre eux et voilà. Merci beaucoup, Mathieu Vouillamot, et bonne chance pour le prochain match à Holten. Merci.